Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de KOTOR, premier du nom. On s'était donc laissé, entre guillemets, au moment où Malak fuyait, ou en tout cas se retranchait un peu plus loin. On va aller continuer à l'affronter, je suppose, ou en tout cas tenter de le traquer, à vérifier. En attendant, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, l'abonnement, commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien. Également la cloche de notification afin d'être prévenu quand sortiront les futurs épisodes. Je ne sais pas si on peut simplement chercher dans les environs. Je regarde un peu ce qui se passe, hein, voir ce qu'on peut trouver. Oui, j'ouvre toutes les portes. Pourquoi? Parce que j'ouvre, tout simplement. Pas de problème. Attends, ça ne va pas marcher. Voilà. Ça m'aurait étonné. En gare. Pas de problème. Ça n'a pas marché. What? Ah, ça va passer par derrière. Jedi! Je vais retenir Malak. Vous deux filez d'ici. Trouvez la forge stellaire. Non, Bastila. Il est trop puissant. Non! La porte est scellée. Nous ne passerons pas. Il faut atteindre les bonnes Hawks. Et Bastila, il faut l'aider. Bastila n'a aucune chance contre Malak. Mais nous ne pouvons pas l'aider, pas ici. Il faut quitter le vaisseau et trouver la forge stellaire. C'est le seul moyen de gagner. Bastila s'est sacrifié pour que nous puissions partir. Son sacrifice ne doit pas être vain. Venez. Mais j'ai pas envie de partir. Mais j'ai vraiment pas envie de partir. De toute façon, on est obligé, hein. Je suis d'accord, mais. Merde! Pas envie! Bastila! Putain, ils sont chiants. J'aime pas quand ils font ça. Bon, on y va. Pas le choix. Oh, je suis en train de me dire. C'est pas grave, je jure, bro. Ouais, ça me semblait. Je suis dans la mauvaise direction. Je pense que même si j'avais mission, ou en tout cas même si j'avais tout au max, je pense pas que je pourrais ouvrir la porte en fait. Je pense qu'ils doivent avoir mis 999 pour pouvoir ouvrir la porte par exemple. Ça me fait chier franchement de laisser Bastila ici. Depuis quand ce genre de vaisseau n'a qu'un seul laser? Le pire, elle crie en grand. Allez, trouvez la forge stellaire! Mais on se fait chier pour pas lâcher le morceau, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le lâches devant le boss!
Évidemment. On avait été super loin, pas juste ici à côté. Bastila, que s'est-il passé sur le vaisseau? Nous sommes tombés sur Malak. Il nous aurait tués si Bastila ne s'était pas sacrifiée pour que nous puissions fuir. Vous voulez dire qu'elle est morte? Ah, oh, Malak ne la tuera pas, ne sois pas stupide. Il veut utiliser sa méditation de combat contre la République. Si elle succombe au côté obscur, les Sith seront toujours victorieux. Nous devons retourner chercher Bastila. Pas si vite. Nous avons un autre problème à régler. Ils méritent de connaître la vérité sur vous. Voulez-vous leur faire part de ce que Malak a révélé ou préférez-vous que je m'en charge? Je vais leur dire. Je me moque de ce que Malak dit. Je ne suis pas Dark Vérin, je suis... Non. Je vais leur dire, je suis Dark Vérin. Révan? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague ou quoi? Ce n'est pas une plaisanterie. Le conseil des Jedi a capturé Revan et a effacé l'esprit du seigneur Sith, lui programmant une nouvelle identité. Saul Karat me l'a dit sur le Léviathan et Bastila l'a confirmé. Vous êtes Dark Revan? C'est fort. Vous vous souvenez d'avoir été le seigneur noir? Quelques fragments de rêve, vision inexplicable, c'est tout. Quelques images? C'est tout. Rien de plus. Alors je pense qu'il n'y a pas de problème. Il me semble que si vous ne vous souvenez pas vraiment d'avoir été Revan, alors ça n'a plus d'importance. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, non? Si. C'est très important. Comment être sûr que d'autres souvenirs ne remonteront pas à la surface? Que Revan ne se retournera pas contre nous? Depuis le début, depuis que nous pourchassons Malak, nous avons à nos côtés son ancien maître Sith, qui nous espionne, qui connaît tous nos plans. Alors, je regrette car je ne aimerais que ce soit pas vrai, mais je ne suis pas plus le Seigneur Noir, je suis Sivagimi, je suis un dévot désormais. Si vous devez le reprocher à quelqu'un, que ce soit le conseil des Jedi, car c'est pas moi. Ouais, c'est plutôt celui-là. Hé hey, vous ne devez pas vous sentir coupable. Vous n'avez pas voulu ça. De plus, je vous connais. Et vous n'êtes plus Revan. Quoi que vous étiez, vous êtes des nôtres aujourd'hui. Merci. Zalbar et moi, nous resterons avec vous. Nous vous devons nos vies. Nous ne vous abandonnerons pas maintenant. Comment peux-tu dire ça, Mission? Les Sith ont bombardé ma planète. Revan a massacré ma famille et détruit ma vie. Tout le monde sait que c'est Malak qui a donné l'ordre d'attaquer votre peuple, Kars. Vous ne pouvez pas blâmer Revan pour ça. Jusqu'ici, vous avez agi comme un allié de la République, Revan. Mais je ne sais pas si nous pouvons encore vous faire confiance. Et vous, Jolé? Qu'en pensez-vous, Kanderous? Qu'as-tu à dire sur la question, HK-47? Tu ne vas pas m'abonner, n'est-ce pas, T3? Quoi? Je savais déjà qui tu étais. Mais je n'avais pas à te le dire. Et c'est peut-être mieux comme ça. Ça change quelque chose? Je ne suis pas là pour te juger. Tu feras ce que tu dois faire et je t'aiderai si je le peux. Qu'en pensez-vous, Kanderous? Vous avez vaincu le clan Mandalorien lors de la guerre, Revan. Vous étiez le seul de toute la galaxie à pouvoir nous battre. On n'avait jamais rencontré quelqu'un comme vous auparavant. Et vous osez me demander si j'ai envie de vous suivre? Peu importe contre qui vous vous battez, je suis votre homme jusqu'au bout, Revan.
quoi qu'il puisse se passer. Qu'as-tu à dire sur la question, hein, chérie Rossette ? Je sens en moi quelque chose d'inhabituel, maître. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Ma programmation active ma mémoire centrale. Je crois posséder un système autonome qui la récupère. Restons tous prudents, impossible de savoir ce que ça signifie. Ce n'est pas nécessaire, maître. Mes intentions sont pacifiques. Je n'ai pas reçu d'ordre de combat. Ce système autonome fait partie de mon protocole d'assassinat. Ce dernier a été désactivé, mais pas le système. Il semble que le système autonome active ma mémoire récupérée et me renvoie à l'époque de mon premier maître. Tu veux dire Revan ? Exact, maître. Les protocoles Sith veulent que toutes les connaissances amassées par les droïdes soient effacées avant une mission d'assassinat et restaurées par la suite. Je suis revenu vous servir. Toutes mes fonctions vous sont acquises. C'est un grand plaisir que de vous revoir. En fait, c'est très logique. J'espère que j'aurai bientôt à nouveau l'opportunité de livrer bataille à vos côtés, maître. Waouh ! Quelles sont les chances pour que ça arrive ? N'oubliez pas que nous parlons de la Force. Même si Malak lui-même débarquait du ciel, je ne broncherai pas. Effectivement. Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas, T3 ? Je savais que le petit gars serait avec vous. Les droïdes ne sont pas rancuniers. Eh bien, Akars, êtes-vous avec moi contre Malak ? Les autres semblent vous faire confiance. Et je ne vois pas d'autre moyen d'arrêter les Sith. Il faut se dire que Malak est notre véritable ennemi. Je n'ai pas vraiment le choix, en fait. Je ne vous laisserai pas tomber, Garce, c'est promis. Je ne suis plus Revan, Garce, vous devez me croire. Vous avez raison, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui commande. Pas le premier, en fait. J'aimerais vous croire. Vous avez fait vos preuves plus souvent qu'il ne fallait au cours de cette mission. Mais je ne pourrais pas digérer ça aussi facilement. Comment je me sens, à votre avis ? J'imagine que ça doit être encore pire pour vous. Je ne sais même pas comment vous faites pour tenir le coup. Mais il faut trouver un moyen de continuer. Ne vous inquiétez pas, je suis un soldat. Je ne laisserai pas mes sentiments entraver le déroulement de cette mission. Mais n'oubliez pas, j'ai juré de défendre la République. Tant que nous continuons la mission, je reste avec vous. Mais je ne vous laisserai trahir la République sous aucun prétexte. Bon, inutile de discuter plus longtemps alors. Il nous reste une carte stellaire à découvrir si nous voulons localiser la Forge et sauver Bastila. Mettons-nous au travail avant qu'il ne soit trop tard. Pas de soucis. Ah, on nous oblige à aller sur... Ah bah non, c'est là où j'allais initialement, donc on nous envoyait directement en fait, ok. C'est bien, il a retenu, c'est... on nous montre pas de dire « Ah tiens, vous devez d'ailleurs. » Parfait. Bastila qui s'efface doucement. T'aurais peut-être pu l'effacer avant que je voie les choses, mais bon, c'est pas grave. Bon, bien entendu, on peut pas faire lui, donc on va prendre lui. Est-ce que... Bon, on va prendre lui. Non, j'ai failli de pas le prendre. Personnaliser, compétences, vigilance, démolition, discrétion, sécurité surtout. Informatique d'abord peut-être. Don, attaque sournoise, ok. Implant crânien. Oui. Accepté. Joli, participer, caractéristiques. Force, compétence, vigilance, pouvoir. Beaucoup de chance que ce soit celui-là. Accepté. Personnalisé, compétence, nouveau vigilance, pouvoir. Je pense que ce sera celui-là.
Ah ouais, ok. Good. Good. On va pas dire non, hein. Voilà. Bon, je suis pas fou lui. Ah, si j'étais fou lui, je pensais que j'étais pas fou lui. Ok. J'avais qu'il y avait un petit truc à faire ici. Oh, t'as déguisé. Qu'est-ce qui se passe ici, Suvam? Alors, vous faut mieux de partir, les gars. Partez maintenant. Oui, mais moi aussi parfois. Bon voilà, c'était entre guillemets la seule chose à faire ici. Peut-être voir si... en termes d'achat peut-être. Déjà on va vendre parce que... on a trois fois trop de trucs en termes d'objets. On a sacrément looté sur la dernière planète. Et le vaisseau. Par contre les trousses d'antidote, ça je vais bien garder. Trousse de survie. Bon, de base c'est quoi? De base, 10 points de vitalité plus le degré de compétence d'utilisation du premier secours. Ici on est à 20, ici on est à 30. Ici, 25 points de vitalité plus modification d'intelligence, ok. Ça j'en ai, je peux tout voir parce que ça je m'en fous. Puis je n'utilise pas les droïdes. Si j'utilise les droïdes, ça c'est ultra important. Intrusion, ok. Pièces détachées. Ça je peux vendre. Bure de chevalier obscur, je peux vendre ça aussi. Ça aussi. Le fric que j'ai, putain, c'est monstrueux. Arme de combat. Tac. Mais quoi, je vais vendre parce qu'au final, j'irai quand même pas sur Tatooine les rendre. Je sais, ça valait rien du tout, je suis au courant. Sabre laser. Calvat 2. Je crois que ça c'est celui de Mistaget, ça on va peut-être le garder. Les cristaux je les garde. Ouais, faudra bien que je fasse un petit tour. Faudra que je revoie ça. Alors, deux petites secondes. Je vais d'abord voir si je peux pas équiper Mistaget. 1-6. 5-10, 1-6 aussi, 4-9 par exemple, 6-9, voilà, ça, on est bon. Heureusement que je vérifie les objets parce que... ce sont les boucliers, ça je ne comptais pas les éliminer. On va lui laisser ça. Oui. Et monsieur, il est équipé aussi. On peut rajouter ça. Par exemple. Bon, c'est plus 3, une petite mentale. Je vais garder. Oui. Ok, merci. Ventre.
Pistolet de carton, on s'en fout. Voilà. Ça, je regarde ça, même si j'en utilise jamais. Même chose. Pas notre sonic, putain. On a d'ailleurs de nouveau pas Android, mais on a quelque chose de très pratique pour Android. Les brassards, ça je garde. Ceinture, ça c'est utile pour Mr. Gates. Les aplans, on les vend. Il y a juste l'aplan max là que je vais garder. Unité poison, je peux toujours garder. Toujours utile. Constitution 4 blocs de données, je garde. Les stimulants, je vends. En mode difficile, vous en auriez besoin, je pense. Ce n'est clairement pas le cas en mode normal. Ou les mines, ça, voilà. Si vous voulez faire du kite, c'est utile. Ah, si ça s'enclenche, en tout cas. Tout ça, je pourrais limite les vendre, hein, mais voilà. Je suis à 60 000, j'ai pas mal. Armure environnementale. Ah oui, coûte objet 20 000. Mais bon. Et contre les froids, des dégâts. Ah, contre le froid. Ouais. Voilà, exosquelette légère. Ok. Exosquelette lourd. Constitution 1, force physique 2. Évolutif. Sérieux? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres objets intéressants? Voilà, c'est le fric qu'on vient de se faire, c'est monstrueux. On va aller un peu voir les réparations en termes de... Les réparations, les améliorations qu'on peut faire pour le sabre laser. De là, je suis parfait. Sabre laser. Ça grade 3, ça doit être le mien, oui. Le meilleur objet. Donc là, on a quoi en fait actuellement? On doit avoir celui-là, je pense. Au pire, ouais, au pire. Donc, bonus aux dégâts blaster 3, coup critique plus important, 2D26. Dégâts plus 3, coup critique plus important, plus 2D12. Ok. Alors, bonus à attaque, bonus à dégâts, parade de tir de blaster, augmentation de sac, c'est cool ça. Bonus à dégâts contre les droïdes, bonus à dégâts contre un groupe racial droïde, ok. Amélioration. Honnêtement, j'ai gardé ce que j'ai. Et là, ça doit être le... étourdissement. Ok, ça je garde. Violet. Oui, ça c'est plus du rose. On va mettre en rouge. Ça, c'est du violet. Ça. C'est à ça que ça doit ressembler. Ça, désolé, c'est du rose. Ça, le cristal ressemble vraiment à du violet. Ce que ça donne? Ça donne du rose. Quand je prends un cristal rouge, ça donne du rouge. Bon, pourquoi je prends un truc en violet, ça donne pas du violet. Domino. Attaque laser. Ok. Là par contre, on va prendre celui-là. Vas-y, bonus, tac, ok. Ouais, voilà ça.
possible que je prenne celui-là. Une seule attaque. Une seule attaque plus 3. On va devoir prendre celui-là plus tard, ça me plaît. Voilà, armure. Ce qui m'a rendu, c'est. Il n'y a pas moyen de choisir en fait, mais bon, c'est pas grave. Amélioration. Là non plus, hein. On est déjà équipé, ok. Mais pourquoi t'as. J'ai changé le cristal, qu'est-ce que je me fous? Je vais pas sauvegarder, je parie. Enfin, voilà, merci. Donc c'est ici que nous allons nous laisser, j'espère que l'épisode en lui-même vous a plu, nous nous retrouverons bien entendu la prochaine fois pour aller sur la dernière planète pour trouver la quatrième partie de la carte stellaire, donc sur Corriban, ou Corriban, comme le disent en français. J'ai plus l'impression que Corriban, préfère, voilà. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien, mais également la cloche de notification afin d'être prévenu quand sortiront le prochain épisode. Donc j'en sors au moins un par jour, même si j'essaie d'en faire un peu plus ces derniers temps. Ça dépend si j'ai du temps pour le faire. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. Bye!